Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Alix, de Anthony Alcaraz et de Ilan. Vous les connaissez certainement tous, Ilan, Anthony et Alix, ce sont des candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques jours, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Ilan a été violent avec une femme. Dans cette vidéo, Alix et Anthony Alcaraz sont très en colère et ils ont décidé de tout balancer sur Ilan. En effet, selon eux, Ilan est un manipulateur qui n'assume pas du tout ses actes. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Alix et de Anthony. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Un énième test nasal parce qu'en France bah, on peut rien faire sans QR code. Du coup là je vais aller manger. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il se passe plein de trucs en ce moment, je pense que vous le voyez. Je vous avoue que moi c'est pas quelque chose qui m'emballe de ouf. Parce que c'est pas drôle en fait et c'est pas facile clairement. Maintenant je pense qu'il y a des choses que beaucoup de gens savent, beaucoup, et qui sont vraiment gardées sous silence depuis trop longtemps et depuis vraiment très très longtemps par plein de personnes, par plein de personnes à responsabilité aussi. Moi je vous le dis du fond de ma pensée, on a tous été lâches. Parce qu'on aurait tous pu ouvrir notre gueule avant. Le fait est, c'est que moi, j'ai décidé de tout la fermer. Après, vous avez bien compris, je ne ferai pas de diffamation. Mais je vous jure, je sais ce que j'ai fait. Moi, tout ce que je peux vous dire, et je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir dit, malheureusement, les gens qui ont tendance à parler, on a tendance à essayer de les faire taire, de les étouffer ou de les faire tourner en ridicule ou passer pour des cons. Parce que ça dérange, parce que c'est une industrie d'argent, vous voyez. Et que bah forcément, quand ça met des bâtons dans les roues et que l'oseille, bah forcément, il va moins rentrer parce que c'est pas joli. Et ben, il y a des gens qui sont capables de faire en sorte d'étouffer certaines choses et de les cacher et de continuer à nourrir certaines personnes. Juste sachez une chose, c'est que c'est pas un cas isolé. Il y a plein de choses que beaucoup de gens de ce monde-là savent, moi et d'autres, et je vous le dis. On a tous été des putains de gros lâches parce qu'en fait, bah, en même temps, quand t'as pas la preuve dans ta main, c'est difficile, mais on le sait, on aurait pu faire du boycott. Il y en a plein qui l'ont pas fait, il y en a qui continuent à manger à la table et à serrer la main de ces gens-là. Moi, je dis ça, je dis rien. Je sais qu'il n'y a jamais prescription pour ce genre de choses. En tout cas, je crois que pour une agression, c'est 15 ans. Sachez que l'argent, la notoriété et n'importe quoi, ça protège pas. Sachez-le, ça peut, mais... Moi, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, ça fait trop longtemps que je garde des choses pour moi et je vous jure que j'en suis pas fière et ça m'a vraiment mis mal et ça me met toujours mal d'ailleurs. Juste aujourd'hui, j'espère que le fait de moi montrer que... Parce que ça me concerne pas à la base, c'est ça le pire. De moi montrer que, les meufs, vous êtes pas seules. Vous êtes pas seules et c'est pas parce que c'est des gens connus qui vous font des menaces ou je sais pas, qui essayent de vous intimider, ou vous avez honte, parce que vous vous retrouvez dans une soirée avec des gens, des mecs, etc. Et vous n'êtes pas des putes, vous n'avez aucune raison d'avoir honte. Et si c'est passé un truc grave, et moi j'ai vu, sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà, moi je serai là, si la personne elle a envie de parler, je serai là pour témoigner de ce que j'ai vu et de qui j'ai vu. Donc sachez que peu importe la situation, même si c'est pas avec une personne connue, hein, que vous êtes en prise avec un espèce de pervers. Et encore, je pèse mes mots, qui vous a fait du chantage, qui vous a filmé, qui vous a mis dans une sale situation où vous avez honte par rapport à votre ego, par rapport à votre copine, à votre famille, parce que vous étiez à un endroit où vous ne devriez pas être, peu importe la raison, vous n'avez aucune raison d'avoir honte. Vraiment, c'est ces gens-là qui doivent avoir honte, c'est ces gens-là qui doivent être boycottés, mis en tôle. Et franchement, je le pense de fond de ma pensée, vous savez que je ne parle jamais pour rien, c'est rare que je prenne mes réseaux pour dire des trucs. Et je dis juste, je vous le dis, j'ai honte parce que pendant très longtemps j'ai été trop lâche pour en parler. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. J'ai accepté des choses du système pour lesquelles j'étais pas d'accord et j'aurais pas dû fermer ma gueule en tant que femme et en tant que plein de choses. Aujourd'hui c'est fini.
sachez que si vous avez envie de vous manifester, vous ne serez pas seul. Et plus on sera à parler, plus il y a des gens qui vont se manifester. C'est moins bien. Il est un peu tard, je viens de rentrer à la maison. J'ai vu aujourd'hui, là, il y a encore une vidéo là, qui est ressortie. On me remet dans le frigo, là. On me remet dans le frigo. J'ai vu Marc Blatta donc, qui a sorti une vidéo marrante de moi, je crois, il y a quoi, 2 ans, vu que j'avais des cheveux bouclés. Ouais, ça doit remonter à 2 ans, un truc comme ça. Et c'est marrant parce que en fait, je me suis dit, est-ce que je prends la parole? Je prends pas la parole. En vrai, ce mec-là, c'est pas mon ami, ça sera jamais mon ami. Et j'essaie de le faire comprendre de tous les moyens possibles. Sauf qu'à la télé, bah, c'est vrai, on ne peut pas parler de sexualité, on ne peut pas te parler de trash, on ne peut pas, voilà. Donc on vous dit de ne pas parler de ça aussi des fois. Donc je crache pas sur les trucs, je veux pas dire des trucs, des machins. C'est juste qu'on ne peut pas parler des choses bah, que certaines personnes ont faites, voilà. Comme là par rapport à Ilan, voilà. Donc c'est fou parce que ça ressort. Et j'ai... comme je disais, c'est fou, ça ressort. Alors que là, j'ai totalement tourné la page et je vous jure que je voulais plus reparler de ces histoires et tout parce que je dirais c'est bon. Je prenais la défense entre guillemets de ces personnes-là qu'on dit dans cette vidéo parce que bon, je vous dis la vérité, oui, cette vidéo, je l'ai vue de mes propres yeux. Je ne l'ai pas parce que je n'ai jamais voulu qu'on me l'envoie. Je ne veux pas faire partie de ces histoires-là, mais j'ai vu cette vidéo. Voilà. Tout le monde le sait, voilà, je l'avais dit mais auparavant, c'est Seb qui me l'avait montré parce que c'est normal, ils ont, oui, certes, sûrement chacun des trucs sur eux deux, j'en sais rien, mais après qui a fait quoi, mais je l'ai vu cette vidéo, donc Marc Blatta dit vrai, pourtant, Marc, je ne le connais pas d'avant, il n'y a pas d'amitié entre lui et moi d'avant, il n'y a rien, on vient juste de commencer à se parler parce que bah, j'ai vu qu'il a posté un truc sur moi, donc on s'est parlé, et oui, c'est vrai. On va essayer de faire un peu court là bientôt parce que sinon ça va faire 30 ans. Mais oui, cette vidéo, je l'ai vue. Et oui, je me suis ridiculisé des fois à la télé en criant pour tous les gens qui me disaient « Mais Anto, mais t'es hystérique, tes trucs. » C'est juste que quand je voyais Ilan, je voyais l'atrocité qu'il a fait. Je voyais... Enfin, pour moi, je suis désolé. J'ai essayé d'atténuer le truc et de dire « Allez, bon, c'est bon, maintenant fais la télé, tu seras toujours à côté de lui. » Tout le temps, donc calme-toi, sinon tu vas passer pour un fou la télé, tout ça et tout. Et en fait, je pouvais pas parce que c'était hors de moi. Je voulais l'emplâtrer tous les jours, mais on ne peut pas frapper en télé, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, c'est fou parce que ça ressort. Et en fait, j'ai pas voulu prendre la parole, mais en fait, je suis obligé parce que c'est pas possible. C'est pas possible en fait de je sais pas comment dire, de voir ça. Moi, je peux pas voir une telle scène et laisser passer ça. Donc là, maintenant, c'est simple. De toute façon, avec tous les accords, les machins, les trucs, on ne sait pas si cette vidéo sera sortie. On ne sait pas parce que tout le monde a peur, tout le monde a ci, tout le monde a ça. Mais après, je vous dis la vérité, j'en ai marre de ces histoires. Je m'en bats les couilles de ces histoires, de chacun, de ci, de ça. Comme moi, on m'a mis dans le jus. Alors que moi, j'essaie de faire le moins d'histoires possible. Moi, quand je m'étais énervé contre Ilan sur cette vidéo de Marc Blatta que vous avez vue là, parce qu'il me l'a remis, je me suis revu, je dis, ouais, j'étais un fou, frère. Mais j'étais un fou, pourquoi? Parce que ce mec, il me dégoûte, en fait. Il me dégoûtait et ce qu'il a fait à des filles. J'avais déjà parlé en interview, vous pouvez même aller voir, j'ai parlé de ressortir encore les trucs et tout. Ce que j'ai vu tout, parce que après je vais encore passer pour le mec qui dit tout, alors que tout le monde était contre moi en me disant « tu mens, tu veux l'enfoncer ». Je n'essaie pas d'enfoncer quelqu'un, les amis. J'essaie juste de montrer la face de quelqu'un, la vraie face de quelqu'un, c'est doux. Et c'était juste que ça que j'essayais de faire en fait. Mais en tout cas, pour finir, voilà, j'avoue que ça fait 2-3 ans que je souffrais un peu de ce truc-là, parce qu'on sait très bien que Ilan et moi, ça a toujours été la guerre pendant à peu près 2-3 ans, dû à ces histoires-là aussi, voilà, je pense, parce que, en fait, c'est juste que moi, je n'accepte pas des trucs comme ça, je n'accepte pas des mecs comme ça autour de moi qui manipulent les gens, qui se font passer pour des mecs rigolos, et ci et ça, et qui font des trucs comme ça derrière, bref, moi, c'est pas de ma gamme. Après, je m'en bats les couilles, frérot, tu vois, tu peux essayer de faire whatever. Moi, je te dis, frérot, c'est pas comme ça. On a réessayé au prince, en plus d'être amis, tu m'as retrahi encore derrière. T'as voulu dire des trucs, je vais pas spoiler. Mais vous allez voir dans les princes, encore, on a commencé, on a voulu être tranquille. Et après, c'est reparti en guerre. Pourquoi? Parce que monsieur n'a pas de parole, monsieur s'en bat les couilles, en fait. Il pense qu'à lui, il fait penser qu'il pense aux autres.
et il fait des atrocités. Donc aujourd'hui, si ça doit payer même 2 ans après, bah, ça tombera à Dieu et grand, mon ami. C'est tout ce que j'ai à te dire. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.